Question 4. Express as a single matrix. Allez, partie A. Partie A, vous pouvez trouver qui est dans un scalar multiplication 2 qui pour besoin multiplier avec 4, négative 4, 5, négative n. Après, nous avons subtract n matrix, li n, négative 3, 2, 5. Alors, nous organisons. Premier, nous faisons scalar multiplication, ça 2 là pour multiplier avec tout un élément de matrix là. 2 fois 4 fait 8. 2 fois négative 4 fait négative 8. 2 fois 5 fait 10. Et 2 fois négative n fait négative 2. Next, nous pouvons subtract matrix n, négative 3, 2, 5. Quand nous subtract deux matrices, nous pouvons checker qu'ils ont ordre pareil. Ok, tous les deux matrices, vous trouvez ont ordre pareil. Alors, vous pouvez faire subtraction. Allez, nous organiser n par n. Premier, vous pouvez faire 8 subtract n, 8 retirer n. Deuxième, vous pouvez faire négative 3 retirer négative 3. Négative 8 retirer négative 3. Troisième, vous pouvez faire 10 retirer 2. 10 retirer 2. Et dernièrement, vous pouvez faire négative 2 retirer 5. Alors, vous évaluez, vous trouvez que 8 retirer n fait 7. Négative, négative, une positive. Et négative 8 plus 3 fait négative 5. 10 retirer 2 fait 8. Et négative 2 retirer 5 fait négative 7. Ça, c'est réponse pour partie A. Next, partie B, vous avez matrix n, négative 2. 3, 4, que vous pouvez multiplier avec matrix 2, négative n. Quand on ne trouve non rien, ça veut dire que vous pouvez multiplier ça des matrix. Et quand nous multipliez des matrix, pas nécessaire ordre pareil, mais vous écrire ordre tous les deux matrix, n là les 2 par 2, l'autre là 2 par n. Pourquoi pas faire matrix multiplication, ça deux valeurs là besoin pareil, ou trouver les autres pareil. Alors, vous répondez pour une matrix 2 par n. Alors, vous prenez une matrix 2 par n. Qui ça veut dire une matrix 2 par n? C'est-à-dire, vous prenez deux rows de réponse. Après, vous prenez one column. Alors, vous prenez deux éléments de réponse. Alors, nous checkons n par n. Avant, vous avez connu qu'on fait matrix multiplication. La première matrix, nous pouvons faire sur une rows. Et multiplier la deuxième matrix, nous pouvons faire sur une columns. Alors, nous prenons n par n. Premier élément, il est row 1, column 1. Vous pouvez prendre row 1 fois column 1 pour gagner une réponse. Alors, vous faites row 1, li. N négative 2 fois column 1 les 2 négative n, vous faites n fois 2 plus négative 2 fois négative n. Alors, n fois 2 fait 2 plus négative 2 fois négative n fait positive 2. Next, vous trouvez qui deuxième réponse à l'idée de jeu 2 column 1. Alors, vous faites jeu 2 fois column 1, 3 fois 2 plus 4 fois négative n. 3 fois 2 fait 6 plus 4 fois négative n fait négative 4. Allez, nous simplifier. 2 plus 2 fait 3, 4. Plus moins 1, moins 6 retiré 4 fait 2. Alors, réponse finale, 24, 2. Partie C, ou une matrix multiplication pour faire 4, 3, négative n, ça c'est au premier matrix. Vous pouvez multiplier avec matrix 0, 3, n négative 2, négative 2, négative n. Ok, alors vous pouvez checker ordre tous les deux matrix. Premier là, il y a une matrix 1 by 3. Deuxième là, il y a une matrix 3 by 2. Vous trouvez qui ça de là pareil. Alors, matrix multiplication is possible. Et vous répondez dépend de matrix 1 by 2. Qui ça veut dire une matrix 1 by 2? Ça veut dire dans une matrix où on a 1 jeu avec 2 columns. Alors, où on a 2 éléments dans une réponse. Et quand on fait matrix multiplication, depuis la première matrix, vous en prenez sur une rows et un seul jeu. Multipliez avec déjà matrix, vous en prenez sur une columns. Et ici, vous trouvez qu'il y a 2 columns. Alors, nous prenons les n par n. Premier là, il y a row 1, column 1. Vous trouvez qui est premier réponse. Il y a row 1, column 1. Alors, vous prenez row 1 fois column 1. 4 fois 0 plus 3 fois n plus négative n fois 2. Alors, 4 fois 0 fait 0. Plus 3 fois n fait 3, plus négative n fois négative 2 fait positive 2. Deuxième élément, il y a row 1, column 2. Alors, vous prenez row 1 fois column 2. 4 fois 3 plus 3 fois négative 2 plus négative n fois négative n. Alors, 4 fois 3 fait 12. Plus 3 fois négative 2 fait négative 6. Plus négative n fois négative n fait positive n. Alors, réponse pour n. 0 plus 3 fait 3. 3 plus 2 fait 5. Et ici, positive, négative et négative. 12 retire 6 fait 6. Et 6 plus 1 fait 7. Alors, réponse 5, 7.
Question 5. On a matrix A, matrix B et matrix C. Partie A, nous avons pour évaluer AB. Alors, AB, qui ça veut dire? On peut besoin de prendre matrix A. Matrix A, on peut besoin de multiplier li avec matrix B. Matrix A, les négatif N, 2, 3, 4. On multiplie li avec matrix B, les 3 négatif N. Alors, pour trouver qui premier matrix A sur ordre les 2 by 2. Deuxième, les 2 by 1. Quand ça de là pareil, on peut pas faire matrix multiplication. Ou réponse, il peut une matrix 2 by 1. Alors, qui ça veut dire une matrix 2 by 1? De réponse, pour une two rows. Après, on prend one column. Alors, quand on fait matrix multiplication, depuis la première matrix, on peut besoin prendre sur une rows. On peut besoin multiplier avec déjà matrix sur une column, et un seul column. Alors, nous commençons à organiser. On peut trouver qui? Premier élément là, il est row 1, column 1. Vous faites row 1 fois column 1. Négative n fois 3 plus 2 fois négative n. Alors, négative n fois 3 fait négative 3. Plus 2 fois négative n fait négative 2. Deuxième élément là, il est row 2, column 1. Vous faites row 2 fois column 1. 3 fois 3 plus 4 fois négative n. 3 fois 3 fait 9. Plus 4 fois négative n fait négative 4. Alors, nous simplifier. Plus moins, c'est bien moins. Right, alors négatif 3, retirer 2, fait négatif 5, plus moins 1, moins, et 9, retirer 4, fait 5. Ça, c'est réponse pour partie A. Next, partie B, on a A square. Qui ça veut dire A square? On peut besoin prendre matrix A, multiplier li avec matrix A même. Alors, matrix A, négatif N, 2, 3, 4. On multiplie li avec matrix A même, les négatif N, 2, 3, 4. Nous checkons l'ordre de toutes les matrix. Première là, il est 2 by 2. Deuxième là, il est 2 by 2. Ça doit valer là pareil. Alors, matrix multiplication is possible. Et qu'on réponse, il peut une matrix 2 by 2. Qui ça veut dire une matrix 2 by 2? Right. Dans la réponse, on peut une 2 rows. Après, on peut une 2 columns. Alors, on peut une 4 éléments en total dans la réponse. Alors, nous organiser. Premier élément, tu peux trouver le dans row 1, column 1. On connaît qu'on fait matrix multiplication. Depuis première matrix, on peut prendre une rows, on a deux rows. On peut multiplier avec déjà matrix sur une columns, on a two columns. Alors, nous organiser premier là, dans row 1, column 1, on peut faire row 1 fois column 1, négative n fois négative n, plus 2 fois 3. Négative n fois négative n fait positive n, plus 2 fois 3 fait 6. Deuxième élément, il dans row 1, column 2, on peut faire row 1 fois column 2, négative n fois 2, plus 2 fois 4. Négative n fois 2 fait négative 2, plus 2 fois 4 fait 8. Next element, on peut trouver l'idée de row 2 column 1. On peut besoin faire row 2 fois column 1. 3 fois négative n plus 4 fois 3. 3 fois négative n fait négative 3, plus 4 fois 3 fait 12. Next element, l'idée de row 2 column 2. Alors, on peut faire row 2 fois column 2. 3 fois 2 plus 4 fois 4. 3 fois 2 fait 3, 6. Plus 4 fois 4 fait toi 16. Alors, ou simplifier pour une réponse. N plus 6 fait toi 7. Négative 2 plus 8 fait toi 6. Négative 3 plus 12 fait toi 9. Et 6 plus 16 fait toi 22. Next, partie C. On a BC. On va besoin prendre matrix B. Matrix B dit 3 négative N. Ou faut aller avec matrix C dit 4, 5. Alors, pour trouver qui premier matrix ça sur ordre de 2 by 1, deuxième là, li 1 by 2, ça devait aller là pareil. Alors, matrix multiplication est possible. Et qu'on réponse, il prend une matrix 2 par 2. Qui ça veut dire une matrix 2 par 2? Dans la réponse, on a 2 rows. Après, on a 2 columns. Alors, on a 4 éléments en total dans la réponse. Et quand on fait matrix multiplication, depuis la première matrix, nous pouvons prendre une rows. Nous pouvons faire avec déjà métrique sur une colonne. Alors, premier élément, il est row 1, column 1. On peut faire row 1 fois column 1, 3 fois 4. Et 3 fois 4 fait toi 12. Next élément, tu peux trouver, il est row 1, column 2. On peut faire row 1 fois column 2, 3 fois 5. Et 3 fois 5 fait 15. Next element, tu peux trouver l'idée de row 2 column 1. On peut faire row 2 fois column 1. Négative n fois 4. Et négative n fois 4 fait négative 4. Next, dernier élément, il est row 2 column 2, fait row 2 fois column 2, négative n fois 5, négative n fois 5 fait négative 5, ça c'est la réponse pour partie C.
partie D, on a AB fois C. Ok, right, on a matrix A fois matrix B, après fois avec C. À cause de trouver qui A et B, les deux brackets, alors nous pouvons faire travailler deux brackets là avant. Nous faisons matrix A fois matrix B first. Alors nous faisons matrix A fois matrix B first. Allez, matrix A, les négatives N, 2, 3, 4. Nous multiplions les avec matrix B, les 3 négatives N. Alors nous checkons order tous les deux matrix, 2 par 2, ici 2 par N. Ça a deux valeurs là pareil. Ou pourquoi pas multiplier et qu'on réponse pour une matrice 2 par n. Qui ça veut dire une matrice 2 par n? Ou qu'on a toujours avec one column de réponse. Vous trouvez dans tous les éléments en total. Et quand on fait matrix multiplication, depuis la première matrix, nous pouvons prendre une rose. Nous pouvons multiplier avec déjà une matrix sur une columns. Alors, vous trouvez qui premier élément est dans row 1, column 1. Alors, vous pouvez faire row 1 fois column 1 pour gagner sa réponse. Négative n fois 3 plus 2 fois négative n. Alors, négative n fois 3 fait négative 3 plus 2 fois négative n fait négative 2. Déjà, mesdames et messieurs, leader, je tout colonne 1. Vous pouvez prendre je tout fois colonne 1. 3 fois 3 plus 4 fois négative n. Et 3 fois 3 fait 9 plus 4 fois négative n, négative 4. Ici, plus, moins, moins. Négative 3 retiré 2 fait négative 5. Plus, moins, moins. C'est que 9 retiré 4 fait 5. Alors, quand on fait matrix A fois matrix B, on gagne réponse. Négative 5, 5. À ce moment-là, vous pouvez multiplier les avec matrix C. Matrix C, les 4, 5. Alors, avant de faire matrix multiplication, nous check order to les deux matrix. Premier là, les 2 by 1. Deuxième là, les 1 by 2. Ça devait aller là pareil. Alors, matrix multiplication is possible. Ou réponse, c'est pour une matrix 2 par 2. Qu'est-ce que ça veut dire une matrix 2 par 2? Dans la réponse, pour une toujours. Après, on a 2 columns. Alors, on a 4 éléments en total dans la réponse. Première matrix, ça nous prend sur une rose. Nous pouvons multiplier avec déjà matrix, ça sur une columns. Alors, nous organisons n par n. Premier élément, nous pouvons trouver leader row 1, column 1. Nous pouvons faire row 1 fois column 1. Négative 5 fois 4. Et négative 5 fois 4 fait négative 20. Deuxième élément, leader row 1, column 2. Nous pouvons faire row 1 fois column 2. Négative 5 fois 5. Négative 5 fois 5 fait négative 25. Next element, il y a jeu 2 column 1. Nous prenons jeu 2 fois column 1, 5 fois 4. Alors 5 fois 4 fait 20. Et dernier element, il y a jeu 2 column 2. Vous pouvez faire jeu 2 fois column 2. 5 fois 5 et 5 fois 5 fait 25. Ça, c'est réponse pour partie D. Question 6. Nous avons une equation qui nous pouvons besoin solve root valeur X. Mais vous trouvez que dans l'équation là, il y a une matrices. Alors dans l'équation là, vous pouvez trouver que right hand side est une matrix 11 et left hand side, vous trouvez qu'il y a une matrix multiplication pour faire. Alors nous faisons sa multiplication là. On a 2 négative nx, sa matrix là, on a pour multiplier avec matrix 3x et 2. Alors nous checkons order tous les deux matrices. Premier là, il y a une matrix n par 3. Deuxième là, il y a une matrix 3 par n. Ça a deux valeurs là pareil. Alors, on peut pas multiplier et qu'on réponse pour une matrix n par n. Qui ça veut dire une matrix n par n? Veut dire d'avoir réponse pour une row et une column. Alors, on connaît qu'on fait matrix multiplication depuis la première matrix, nous pouvons prendre une row. Nous pouvons faire avec déjà une matrix ça sur une column. Et on a n row et n column. Next. Alors, on a un seul élément pour rôder qui est row 1, column 1. Alors, on peut faire row 1 fois column 1. 2 fois 3 plus négative n fois x fois 2. Alors, nous organiser 2 fois 3 fait 6 plus négative n fois x fait négative x plus x fois 2 fait 2x. Next, nous simplifier. Vous pouvez plus, moins, moins. On a 6. Puis on fait un like terms pour zone early. Mais on a négative x plus 2x qui fait positive 1x. Alors, quand on multiplie ça deux matrices qui à gauche là, on gagne réponse 6 plus x et à droite, on a 11. Et quand vous équez deux matrices, veut dire ça deux matrices ça besoin pareil. Quand deux matrices sont equal, veut dire ça besoin éléments pour besoin equal. Alors on a un élément de la première matrice, un élément de la deuxième matrice. Et quand les equal, nous pour besoin équer ça deux éléments là. Là qui ça deux matrices ça pour venir pareil. Alors 6 plus x pour besoin égal 11. X pour venir 11 retiré 6. X vient 5. Ça c'est réponse pour question 6. Question 7. Nous avons une équation qui est dans la matrix là-dedans et qui nous a solve votre valeur x et y.
Quand nous observons l'équation là, à droite, il y a une matrix, mais à gauche, il y a une matrix multiplication pour faire. Ok, alors vous trouvez, il y a equal ici. À droite, il y a une matrix, mais à gauche, il y a une matrix multiplication pour faire. Alors nous organisons. Nous avons une matrix 2, 5, x, négatif 2, x, 4, qui peut multiplier avec matrix 3, négatif 2 et 2. Vous trouvez qui, première matrix, ça, sur order 2 by 3, déjà maintenant, les 3 by 1, ça deux valeurs là pareil. Alors, vous pouvez capable de multiplier ça deux matrix ça, et réponse, vous prenez une matrix 2 par n. Une matrix 2 par n veut dire qu'on a deux rows avec one column. Alors, on a deux éléments de réponse. Alors, quand on fait matrix multiplication, depuis première matrix, nous pouvons prendre une rows. Nous pouvons multiplier avec déjà matrix ça sur une columns. Alors, nous prenons n par n. Premier élément, il y a row 1, column 1. Alors, on prend row 1 fois column 1 pour avoir une réponse. 2 fois 3 plus 5 fois négatif 2 plus x fois 2. Alors, 2 fois 3 fait 6 plus 5 fois négatif 2 fait négatif 10 plus x fois 2 fait 2x. Next, deuxième élément, il y a row 2, column 1. On fait row 2 fois column 1. Négatif 2 fois 3 plus x fois négatif 2 plus 4 fois 2. Négatif 2 fois 3 fait négatif 6 plus x fois négatif 2 fait négatif 2x plus 4 fois 2 fait 8. Nous simplifions. Ici, plus moins pour venir moins. Et ça, c'est du like term. 6 retiré 10 fait négatif 4 avec un a plus 2x. Next, ici, nous avons du like term. Négatif 6 plus 8 fait un positif 2 plus moins pour venir moins 2x. Alors ici, vous pouvez trouver matrix là, quand on multiplie ça de matrix là, il y a une négative 4 plus 2x et qu'en bas là, il y a une 2 retiré 2x. Et quand vous équivez deux matrices, tout ben corresponding elements pour besoin equal. C'est-à-dire ça, élément là, il besoin égal avec l'autre élément là. Négative 4 plus 2x pour besoin égal 8. Alors là, vous trouvez, vous pouvez solve ça équation là. 2x pour venir 8 plus 4. 2x pour venir 12. Après, vous trouvez que x pour venir 12 divisé par 2 fait 6. Et next, vous trouvez si vous équivez le 2 éléments ça, devine 2 retiré 2x égale y. Next, nous ne pouvons pas remplacer ça x qui nous gagne là ici. Alors, devine 2 retiré 2 fois x de 6 égale y. 2 retiré 2 fois 6 fait 12 égale y. 2 retiré 12 fait négatif 10 égale y. Alors, y devient négatif 10. Alors, ou answer, ou réponse, c'est x égale 6, après y égale négative 10. Question 8, nous avons une équation qui est dans matrices. Et quand tu observes cette équation, right là, nous avons à gauche où vous trouvez une matrix multiplication. Alors, nous multiplions ça deux matrices, ça, on a 5x, qui est là pour multiplier avec n 3. Alors, vous trouvez, première matrix, ça, sur ordre. Le 1 by 2. Déjà, matrix ça, le 2 by 1. Ça a deux valeurs là, pareil. Alors, matrix multiplication est possible. Et vous réponse pour une matrix n par n. Qui ça veut dire une matrix n par n? Donc, vous réponse pour une 1 row. Et 1 column veut dire un seul élément. Et quand vous faites matrix multiplication, depuis la première matrix, nous pouvons sur une row. Nous pouvons faire avec déjà matrix sur une column. Alors, pour trouver qui est une seule multiplication qui est possible à cause d'un seul élément de réponse, row 1, column 1, ou faire row 1 fois column 1. Alors, quand vous faites row 1 fois column 1, il y a 5 fois n fait 5 plus x fois 3 fait 3x. Alors, il y a 5 fois n fait 5 plus x fois 3 fait 3x, ou gagne un seul élément. Alors, ça, quand nous évaluons, nous trouvons 5 plus 3x. Next, nous combine, vous pouvez trouver à droite aussi une matrix multiplication pour faire. Qui matrix multiplication? Où il y a n, négatif 2, 3 pour multiplier avec 2x, 6. Alors, première matrix, ça, il y a n par 3, déjà, il y a 3 par n. Ça, deux valeurs là, pareil. Alors, matrix multiplication est possible. Et qu'on réponse pour une matrix n par n. Qui ça veut dire une matrix n par n? D'où réponse pour une 1 row, 1 column, mais j'ai un seul élément. Quand nous faisons matrix multiplication, depuis la première matrix, nous pouvons prendre une rows, nous pouvons faire avec déjà matrix sur une colonne. Alors, nous organisons.
Right, alors on a un seul élément de réponse. Et que l'idée de 1 colonne 1, vous faites 1 fois colonne 1, n fois 2 plus négatif 2 fois x plus 3 fois 6. Alors, n fois 2 fait 2 plus négatif 2 fois x fait négatif 2x plus 3 fois 6 fait 18. Alors, c'est plus moins pour une moins. Avant, on a 2 plus 18 fait 20. Après, retirer 2x. Alors, vous trouvez à droite l'IPV 20 retirer 2x. Next, quand nous équate deux matrices, nous avons besoin d'équate les autres éléments. Alors, on a un seul élément pour équate. Alors, on a 5 plus 3x égale 20 retiré 2x. Nous solvons ça équation là pour gagner valeur x. Négatif 2x nous envoie à droite et 5 là nous envoie. Négatif 2x nous envoie à gauche, 5 nous envoie à droite. On a 3x positif, 3x qui est déjà à gauche. Négatif 2x quand nous envoie à gauche, c'est devenu positif 2x. À droite, on a 20. Et 5 qu'on va envoyer à droite, divise négatif 5. Positif 3x, positif 2x, fait à positif 5x égale 20 retiré 5 fait 15. Là, x pour 20, 15 divisé par 5, réponse pour x égale 3. Question 9. On a une équation qui est avec une matrice là-dedans. Nous avons besoin de solver x, y et z. Ok, vous trouvez qui à droite, pas aucune opération. On a une seule matrice, nous copions les, et dans z. 3, n et w. Mais à gauche, on a une opération qui peut vous en faire. On a 2x, 5, négatif 3. Ça matrice ça pour ajouter 2 fois matrice n, 5, y, 0. Ok. D'abord, on a une scalar multiplication. On multiplie sa scalar là avec tout un élément qui est dans la matrice. 2 fois n fait 2. 2 fois 5 fait 10. 2 fois y fait 2y et 2 fois 0 fait 0. Et ici, première matrice, ça, c'est 2x, 5, négatif 3. Et quand on ajoute deux matrices, vous allez checker si ordre pareil et que toutes les deux matrices sont ordre pareil. Alors, nous ajouter. D'abord, pour faire 2 plus 2, fais-toi 4. X plus 10, fais-toi x plus 10. Next, 5 plus 2y, divine 5 plus 2y. Et dernier, on a négatif 3 plus 0 fait négatif 3. Alors, quand on évalue ici, on a 4, x plus 10, next 5 plus 2y, et que nous terminons avec négatif 3. Ok, à ça, on peut trouver qui nous paye, équate deux matrices, tout ben corresponding elements nous pouvons équate. Par exemple, premier, nous pouvons dire 4 égale z. Et si 4 égale z, veut dire qu'on peut gagner valeur z égale 4. Next, x plus 10 égale 3. Alors, x plus 10 égale 3. Vous trouvez que x pouvait 3 retirer 10. X pouvait négative 7. Next, vous trouvez que y a 5 plus y égale n. 5 plus 2y égale n. 2y pouvait n retirer 5. 2y pouvait négative 4. Y pouvait négative 4 divisé par 2. Y pouvait négative 2. Et next, négatif 3 égale W. Négatif 3 égale W. Ou bien W égale négatif 3. Alors, ou bien réponse. W invine négatif 3. Right. Y invine WX. Après, nous mettons X, nous mettons alphabetical order. WX invine négatif 7. Y invine négatif 2. Et Z invine 4. Ça, c'est réponse pour question 9.